Bah moi ça fait depuis maintenant, ça fait depuis toute mon enfance que je vis ici. J'ai découvert, on va dire que j'ai commencé mes premiers pas au parcours dans la ville d'Aix. Et je me suis rendu compte que cette ville regorgeait plein d'endroits pour évoluer. Et on a tendance à vouloir aller dans les grosses villes, aller dans des villes populaires pour le parcours. Mais en réalité, autour de nous, où qu'on soit, même dans les petites communes, enfin, c'est pas une petite commune Aix, mais je veux dire à Aix-les-Bains, on peut vraiment évoluer. Et c'est assez riche comme endroit pour que ce soit en termes de spots d'exploration et puis la beauté d'Aix-les-Bains. Alors les lieux où je bouge principalement, après comme je viens de vous dire, moi j'aime bien explorer entièrement la ville, mais après on va dire qu'il y a des endroits où je vais de manière plus récurrente, on va dire. Mais on va dire que là où on est, la place d'Aix, la place de la mairie plutôt, regorge plein d'endroits, plein de spots, plein de petits plein d'éléments pour pouvoir évoluer. Autant la fontaine du parc de Verdure, la place de la mairie, il y avait la sécurité sociale aussi à Aix, et puis plein de petites zones un peu privées. Mais sinon, autant partout là où on est, on peut vraiment évoluer. C'est ça tout l'intérêt en fait de l'activité, c'est que où tu sois, avec le moindre trottoir, la moindre barrière, tu peux effectuer plein de mouvements. Et après, tu découvres tout un panel de mouvements et d'enchaînements, et c'est ça qui est intéressant finalement.